Alors, bonjour tout le monde, bienvenue à cette minute du président du 16 décembre. Donc, aujourd'hui, ce matin, nous avons eu une rencontre avec le ministre de la Santé, M. Yves Bolduc, qui était accompagné du sous-ministre, M. Gagnon, et de deux attachés politiques, oui. De notre côté, j'ai été accompagné de Claudette Carbonneau, la présidente de la CSN, avec Mme Francine Lévesque, la présidente de la Fédération de la Santé et des Services sociaux. Il y avait aussi M. Manuel Peignafiel, qui représente la catégorie des professionnels chez nous, à notre syndicat. Bon, puis il y avait moi-même, évidemment. Donc, écoutez, on pense, à la sortie de cette rencontre-là, avoir une bonne nouvelle. C'est-à-dire que le ministre Bolduc nous a ouvert la porte pour une table de travail orientée sur des solutions. C'est une oreille maintenant qu'on a eue, une oreille attentive du ministère qu'on n'avait pas eue jusqu'à maintenant. On se souviendra que la direction avait rompu pratiquement les ponts avec nous. M. David Levesque non plus ne nous écoutait plus et en donnait toujours le même message. Alors donc, on pense qu'il y a un débouché là. Alors, nous, évidemment, on va aller rencontrer les gens qui vont être à cette table de travail-là. Évidemment, nous, on a, par contre, dit au ministre qu'on continuait notre lutte et que c'était de bon aloi là, de faire ça. Et le ministre l'a reconnu lui-même parce que on s'inscrit dans un cadre plus large là, sur la privatisation des services publics, la réduction des services publics. Donc, notre lutte va continuer quand même, parce que là, il n'y a rien d'acquis non plus. Mais c'est une avancée décisive, et ça, c'est dû, au travail de tout le monde, à la mobilisation qu'on a eue de votre part. Les employés se sont mis derrière nous, ont suivi les mots d'ordre, etc. Donc, c'est nécessaire de se battre, mais c'est surtout pas inutile de se mobiliser parce qu'on peut avoir des gains. Alors, jusqu'à maintenant, on se frappait à un mur et là, on avance carrément sur le terrain. Il y a d'autres choses aussi qui vont venir là très rapidement dans ce dossier-là. On va vous tenir au courant. Donc, je vous remercie encore une fois. Nous vous remercions de votre implication et à bientôt.